Bonjour, c'est Sage-Cam, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons dessiner des plumes sur un vernis, anthracite métallisé. Voilà, je cherche mes mots. Alors, il vous suffit de prendre un pinceau de détail, de la peinture acrylique blanche. Après avoir appliqué votre vernis et l'avoir laissé sécher, vous allez dessiner la partie centrale de la plume et tout autour de la partie centrale, les barbules, avec des petits mouvements d'ondulation, avec des traits aussi fins que possible. Alors on me demande souvent où je trouve mes pinceaux de détail. J'en ai trouvé un dernièrement chez Cultura, c'est un pinceau avec des poils Kolinsky et c'est un 10/0, donc un pinceau vraiment extrêmement fin. Autrement, je vous invite à regarder ma vidéo sur laquelle je vous explique comment fabriquer soi-même son pinceau de détail, donc en retaillant les poils, parce qu'effectivement il n'est pas toujours évident de trouver un pinceau suffisamment fin dans le commerce. Donc pour en revenir à la vidéo, comme vous pouvez le voir, je double mes traits blancs avec des traits noirs, toujours à l'acrylique. Et je vais ensuite venir tripler les traits avec une troisième couleur. Et j'ai choisi pour contraster avec le gris anthracite un fuchsia. Une fois que vous avez tracé tous vos traits, il ne vous reste plus qu'à utiliser un dotting tool à la fin pour ajouter des petits points afin d'habiller l'ongle. Alors je suis une fana du dotting tool, je l'utilise très régulièrement, j'aime beaucoup rajouter des petits points sur un dessin, je trouve que ça habille vraiment la déco. Bien entendu, n'oubliez pas de protéger votre nail art avec une couche de top coat. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un très bon Noël. Bye bye !